Salut chaîne secondaire, on va découvrir, on est en live sur Twitch. Si vous voulez passer faire un petit coucou encore une fois, n'hésitez pas, le lien est en description. Pareil si vous voulez acheter des jeux moins chers, un stand gaming en description. Mais là n'est pas la question, on va découvrir une démo d'un jeu d'horreur, toujours sur Steam. Là il y a plein de démos en ce moment, ça fait plaisir. C'est un jeu que je suis pas trop fan des jeux d'horreur, même si je joue à la plupart. Et que j'ai mis dans ma liste Steam, mais je me rappelle plus trop exactement pourquoi. Et pour petite information, sur Twitch, je ne peux pas écrire le mot pain, qui veut dire pain. Twitch doit considérer que c'est une insulte, puisque pin, je sais que c'est pour également parler de parties intimes masculin, masculine, masculin. Ok, ça commence direct. Light. Est-ce que j'ai besoin de modifier mon clavier? Ouais, faut que je le mette. Non, reviens, j'ai pas eu le temps de lire. J'ai dû me mettre en clavier américain. Et nous avons tout mis visuellement à fond. On est sur PC. Et dites-moi si le volume est correct. Ah, il faut peut-être que juste. Je vais désactiver si ça ne vous dérange pas. Voilà, ça sera. J'ai validé. Je sais pas si ça a validé. Non, ça n'a pas validé. Là, ça a validé. Voilà. J'ai moins cet effet de flou. Même si j'ai l'impression qu'il est encore présent. Donc, démo, ça se déroule dans un petit village qui a rencontré un problème. Et on va devoir. Ils ont dit que c'était V pour faire le corps à corps. Pour le moment, je peux pas faire. Je sais plus ce que j'allais dire. Ouais, je me rappelle plus l'histoire. Ouais, il va y avoir des forêts de pins, justement. Très lugubres. Et ouais, les jeux d'horreur. C'est pas trop ma tasse de thé, on va dire, mais de temps en temps ça fait du bien. Puis là je suis en live comme ça, si j'ai peur, eh ben je serai accompagné. Là on doit être dans un bateau parce que je m'y connais en bateau. Do not follow me. Ok, c'est bon le volume pour vous sur le chat? Je vous fais les traductions en même temps. Ne me suis pas. Pan. Oh ta mère! Mais déjà, mais attends, mais je viens de débuter. Ah, faut que je débranche ma manette, attendez. Parce que. On est sur PC, mais j'ai ma manette qui est connectée. Oh! Et elle vibrait. Je me fais poursuivre par un gros bébé, mon gars. Mais don't follow me, c'est lui qui doit. Oh, mais arrêtez, mais attends, je viens de débuter. Mais je suis déjà mort. Restart. Mais je suis déjà mort. C'est parfait le volume. Ouais, le FOV est un peu petit, je suis d'accord. Attendez, comment? Ah, mais j'ai des armes. 1, 2, 3, 4. Light, mêlée, inventaire. Voilà, ça va me servir. Ok, c'est un labyrinthe. Mais il me parlait de forêt. Moi, je pensais pas être dans un paquebot, donc faut que je me déplace méthodiquement. Gauche, gauche, tout droit. Droite. En fait, je sais pas où je dois aller. Ah non, la sortie, elle a l'air d'être en C4. Mais C4, c'est là où il y avait le monstre. Donc je fais gauche, gauche, tout droit, droite. Gauche, droite, droite, sortie. Allez, ferme-moi ça. Inventaire. Ok, donc là, j'ai mon pistolet. Mon fusil à pompe, j'ai une pioche, au cas où. Ouais, FOV, j'ai pas l'impression que je peux le régler. Ok, j'avais mis en 2K, mais ça pas. Si, ça doit être du 2K, ça se voit quand même visuellement. Ouh! Bon, ça va mieux se passer, je pense, si je prends ça. Et si je cours aussi. Par contre, je m'attendais pas à ce que ça débute, que je me fasse direct agresser. Après, là, c'est une démo. Il n'y a pas de date d'annoncer, par contre, sur Steam. Donc là, je fais là où il me tire dessus. Do not follow me. Après, c'est à droite. J'ai encore le schéma dans ma tête. À droite. À gauche. À droite. À droite. Et à gauche. J'ai un bouton. Oh! Non! Non, je veux sortir. On est dans métro 2062. Il faut que je trouve un moyen d'ouvrir la porte, c'est ça? Il faut que je trouve des trucs. Non, mais on lance la démo. On sait absolument rien, quoi. Oh! Avance! C'est ma souris. J'ai la première balle, c'est parce que j'ai tapé. J'ai tapé mon clavier avec ma souris. Oh, faut que je trouve des éléments. Oh, ça va être un labyrinthe. Ah, je peux courir en arrière, trop bien. Oh, dégage. Quoi? Qui c'est qui me fait mal? Mais ta maman! Quoi, j'avais qu'une balle? Attends.
Donne-moi ma pioche! Donne-moi ma pioche! Mais y a un autre mec dans mon dos! Mais attends, mais c'est pas ça l'horreur pour moi! Coucou Iceboobs, pas de notif! Ça ressemble de fou à Resident Evil 7, ah bon? En moins bien? Attends, c'est quoi ce délire? Faut que j'aille où du coup? Faut que je fasse toutes les salles méthodiquement? Ah ouais, non mais moi ils me vendent du rêve en me parlant de forêt et tout. Désolé, ça m'a fait sursauter. En même temps, il me donne un pistolet, mais que c'est pas rechargé. Ça, je pense que je peux le casser, ça. Ah bah voilà, moi on me la fait pas, j'ai joué justement à tous les Resident Evil, mec. Marguerite! Marguerite! On va la jouer différemment. On va la jouer méthodiquement. Mais ouais, si vous regardez sur Steam, vous verrez, les images sont un peu flippantes. Mais le corps à corps, j'ai pas trop envie de tester. Je pense qu'il y a peut-être moyen qu'on les bute, tous les monstres. Là, on en a un à gauche direct. Je vais tester un truc, je vais mettre un coup de pioche d'abord. Il était pas là tout à l'heure? Il y avait pas un monstre là? Allez, tape! Je crois que si j'ai autant de loot, autant que j'utilise mes armes. Attendez. Do not follow me. Ah, mais il essaye vraiment de me tirer dessus. On dirait vraiment un petit bébé, il tire et après il se barre en courant. Mais je vais peut-être devoir augmenter mon volume pour entendre les monstres s'ils arrivent dans mon dos. Ah mais ouais, mais les monstres sont pas toujours au même endroit du coup. Ouais, bon bah on va devoir... Mais j'ai ramassé un truc, il y avait marqué item récupéré. Non, c'est pas ça. Ouais, va falloir qu'on... récupère des trucs. Pour faire des machins. Ça va le faire, ok? Pas de panique. Pas de panique à bord. C'est... le crime est là. Je sais pas, j'ai pas de rime là. En fait, je m'attendais pas trop à ça. Je m'attendais pas trop à ça. Je perds pas des balles en rechargeant à chaque fois là, non? Je crois qu'ils m'ont remis le... l'effet de flou. Je crois qu'ils me l'ont remis à chaque fois que je meurs. Attends, je vais vérifier. Non, pourtant je l'ai désactivé. J'ai failli... attendez, je vais faire un truc, ça sera un peu moins bête, parce que j'ai un verre d'eau à côté de mon ordi. On va longer d'abord tout sur la droite. On dirait vraiment... Mais il y a un mec derrière moi. Mais ta maman. Les zombies de Dead Matter, mon gars. J'ai pas des trucs à récupérer là. Je crois que je vais l'enlever de ma liste de souhaits Steam. Oh. C'est peut-être pour ça que c'est bloqué sur Twitch. Non, faut pas que je regarde. Je vais avoir des problèmes. Non, il y en a un autre. Non. J'espère qu'il y en a un nombre limité, quoi. Parce que j'ai plus de balles, déjà. Ah, ça va me gonfler. Ah, bah voilà, je les préfère comme ça. Je peux prendre la corde? Non, dégage! Désolé. Désolé. Mais vous, vous entendez bien sur le chat? Vous les entendez arriver dans mon dos? Parce que moi, je les entends absolument pas arriver. Oh, des voitures. C'est peut-être pour ça que c'est bloqué sur Twitch. Je les entends vraiment pas arriver dans mon dos. Je crois pas que tu vois mes messages. Non, je suis trop concentré.
Je suis concentré à fond. Ok, on a fait la salle à 4? Ben, je sais plus. On va faire toutes les salles. Ok? On va faire les salles. Non, pas trop. Ouais, vous entendez pas aussi? C'est dans ma tête, j'ai l'impression que j'entends. On a fait celle-là. Faut faire de façon méthodique. Ok. Oh, punaise. Ça va être compliqué. Donc celle-là, on l'a faite aussi déjà. Mais il n'y avait rien. Ok. Il y a une porte. Là, A4. Je ne peux pas l'ouvrir, il me faut un élément. Semblerait-il. Je peux aller à droite dans la A1. C'est pas moi qui m'amuse avec la lumière, hein, je vous assure. Quelqu'un a éteint ma lampe. Et ça, c'est pas cool. Mince. Là, c'est moi. Bon, c'est quoi ça? Ah, mais c'est des kits. Je peux peut-être les utiliser si besoin. Use. Ah ouais, j'ai ma vie en bas à droite. Ok. Inventaire. Mais quitte-moi ça, il y a un... Ça quitte pas? Ça quitte pas l'inventaire? Punaise, il marque table et table, il marche pas. Heureusement, je me suis pas fait attaquer. On dirait mon ventre, mon gars. Ouais, mais toi, t'étais... Ah, ils vont respawn. C'est la première fois que je te vois en live. Bah, bienvenue, mec. T'arrives pour le meilleur jeu ever. Ever, ever. Il y avait le chemin à gauche, mais du coup, moi j'ai envie de voir en B1. J'ai peur de manquer un élément et que je le ramasse pas, du coup. C'est quoi? C'est des cartouches fusil à pompe? Les fusils à pompe, c'est pas mal. Ah, mais attends, mais il n'y a pas le chemin d'un. Ah, oui, c'est la même salle, ok. Un coffre. J'ai pas le code. J'ai pas le code, dégage. Il doit y avoir un code quelque part. Je ne sais pas où trouver. Oh, mais vas-y, s'il respawn à chaque fois. C'est leur excrément. Ah, c'est dans Star Wars, j'ai la référence. Une autre porte fermée. Ouais, par moment, j'ai l'impression qu'il me faut une balle et des fois deux balles. Mais ça y est, j'ai plus de cartouches déjà. Qu'est-ce que je vais récupérer là? Ah, des notes. Oh, attends, j'ai 11 pages à lire. Vous êtes sérieux? Bah, ça doit être intéressant, je pense. On a peut-être des codes en même temps pour ouvrir le coffre. Ça doit être intéressant, ça doit être le livre d'une personne. Ouais, c'est le livre de Ron, apparemment. Ouais, le roman. Ouais, mais en même temps, c'est ça qui... Vu qu'il n'y a rien d'autre qui nous explique l'histoire. Mais j'espère que c'est pas le code pour ouvrir la porte, parce que sinon, c'est un peu long. Oh, on dirait mon ventre qui gargouille le truc. Ah, je m'attendais pas du tout à ça, tu vois. Vous voyez comme bêta, je veux dire. Comme démo. Salut, je perds tous mes mots là, je suis paumé. Je peux aller dans la pièce en face. Mais le truc, c'est que j'ai. Dès que je passe par là, ça éteint ma lampe. Les monstres, ils sont quand même flippants dans leur esthétique, mais dans leur façon de se déplacer. Et... On dirait vraiment genre Patrick de Bob l'éponge. Et là, le problème, c'est que j'ai plus de munitions. Hein. Donc, il va falloir que je me batte avec ça. On a fait presque toutes les pièces. Faut que j'aille. Je l'ai pas fait B3 et B2. Je sais même plus. Ouais, mais ça y est, je suis mort. Hein. Ouais, c'est fermé. Je suis mort officiellement. Ramasse. Oh, en plus, c'est très très lent, quoi. Je lui ai mis un petit coup. Bon, qu'est-ce qu'on n'a pas fait du coup? On peut tenter la B6. La B6, j'ai dit B6, c'est par là et à gauche. Le problème, c'est je crois qu'on a fait toutes les pièces et le plus important, ça va être le coffre, très certainement. Surprise!
Non, mais on a fait toutes les pièces. Non, pas cool. C'est quoi? C'est une clé que j'ai pris? Attendez, mais le truc, c'est vu qu'il respawn assez rapidement. J'ai une clé. Est-ce que ça serait pour la porte maintenant? C'est peut-être la A4. Je teste d'aller en A4. Il n'y a pas de musique. Je peux te faire de la musique. Point, 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 point. On se dépêche. Encore. Ouais, je pense que la clé va nous ouvrir cette porte-là. Oh my god! C'était ça. Non! Non! Il manque des trucs! Prends ça! Méchant! C'est long. Qui dit horreur dit pas forcément lenteur, quoi. Oh, il y a de la physique. Ouais, jeu d'horreur, c'est pas lenteur, quoi. Je veux bien que sur certains jeux, la lenteur dans les jeux d'horreur, c'est pour ajouter une certaine dimension et tout ça, je suis d'accord, mais il y a des limites quand même. Bon, bah, on peut repartir dans la salle, je pense, mais le seul problème, attendez. C'est que je peux pas repartir, je l'ai pas activé, mais ça veut dire qu'il me faut un truc pour l'activer. Ça a fait bouf quelque part. Mais. Moi, je voulais être dans les bois. Qu'est-ce que je peux activer? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait comme salle? Je vais retourner en C4, mais je vois pas trop ce que je peux faire de plus. Quelqu'un a une idée? Quelqu'un a une idée, pardon? Hop, on y retourne. Mais même activer la carte, désactiver la carte, il faut réappuyer sur la touche pour avancer. Ouais, c'est ça, là je peux rien appuyer d'autre, on est d'accord. Je peux pas sauter, donc je suis bloqué. Je peux pas régler le FOV, je peux rien faire. Tada! Oh non, 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 non. Oh! Il n'y avait pas un bouton là? Il n'y avait pas un truc indiqué? Mais dégage! Ah voilà, j'ai plus de balles. Ah si, j'en ai encore, c'est juste que ça prend du temps. Peut-être que j'ai mis le câble, je peux mettre le courant maintenant. Coucou Simka, bienvenue. Du coup, si ça fait si longtemps, 7 ans, sans voir ma tronche. Je m'en fous, je suis plus à ça près. J'ai pris des coups de couteau, des coups de fusil. Par contre, j'ai dû perdre de la vie. Quelqu'un peut regarder sur YouTube un let's play? Que je sache quoi faire. Que je puisse continuer cette vidéo, j'ai perdu pas mal de vie. Oui, si quelqu'un peut regarder sur le internet, me trouver une solution, une petite astuce qu'on envoie, parce que là, j'enregistre, ça fait 19 minutes pour la chaîne secondaire, que je montre un maximum de choses si possible. Ouais, bienvenue, bienvenue à vous. Le truc, c'est que là, le problème, c'est que je vais être limité. Je vais plus avoir de balles. On a exploré toutes les pièces, si je ne dis pas de bêtises. Là, je reviens à la base. Et vu que les ennemis respawnent, eh ben, ça va poser problème. Le nom du jeu, c'est Pine Arbor. Je crois. Attends, je suis jamais allé là. Si, c'est là où j'ai spawn. Il n'y a pas un truc où j'ai spawn? Et par moment, j'ai l'impression d'avoir des petites icônes blanches qui apparaissent. Ouais, si quelqu'un pouvait m'aider, je le remercierais beaucoup. Parce que je suis pas chaud pour recommencer depuis le début. Quoi? Ah, c'est vraiment ça? Ah, sérieux, S-Boob? Trop bien. Il nous a trouvé le code. Quelque chose comme ça. Attendez, il a trouvé le code sur une caisse. À l'envers. Oh mince. Le coffre, c'était où? C'était en B3, non? Une caisse à l'envers, sérieux? C'était en B3 le coffre? Non, c'était pas en B3. Je vais voir, j'ai pas le choix.
Le coffre. Demande de... Ah, non, ça c'est... Je pensais que c'était un succès. Ou en même temps, si on peut regarder le coffre, la caisse plutôt à l'envers, si on peut la voir en même temps. Mince, j'ai oublié quelle salle c'est. B2. Enfin, je l'ai mémorisé. Et ça, je peux pas l'ouvrir avec la clé de tout à l'heure. Oh! Putain, ta maman. J'aime pas les screamers. Yous, fichu coffre déjà. Pardon, j'ai sursauté. Ah, c'est ça, tu penses? 71-26. Deux ans. Vous pouvez le noter? J'ai plus de balles. Si quelqu'un peut noter 71-26, s'il vous plaît. Non, mais fallait le trouver hein, quand même. Dites-moi qui était là, le coffre. Je me rappelle plus. Non, c'était pas là, le coffre. Oh, il va me bloquer la sortie maintenant. Ah, ouais, je peux pas sortir. Mais regardez-le, on dirait vraiment un bébé qui a la diarrhée, quoi. Il faut qu'il y ait une chiotte, maman. Il nous vole notre pain. Ou alors c'était en B6. Non, il est là. 71-26, j'ai dit. Oh, ça va être long. Comment je valide? 71-26. C'est pas ça. Tu m'avais dit quoi, Xboobs? 79-21. C'est pas ça non plus. 79-31. Oh, par contre, si après la démo est finie, franchement. Non, 71-26, je l'ai bien fait, non? Ça va pas le chat, j'ai plus de balles, j'ai plus de vie. Après, il y avait plein de codes sur le bouquin. Il y avait plein de codes, il y en avait peut-être un qui était bon, mais ma mémoire, il n'y avait pas des 68 quelque chose. 68, c'était répété plusieurs fois. Peux pas le casser avec la pioche, ouais, je pense pas. Bing! J'ai vraiment pas envie de sortir. Hein. J'ai pas envie d'y aller. 58, 28? On va essayer tous les codes. Après, c'est possible que ça change en fonction des games des gens. Hein. 58, 28. Merci, Alex. Du diesel. Merci, Alex, tu m'as sauvé la vie. Maintenant, faut que j'arrive à aller jusqu'à là. Il faut que j'utilise la technique de la table, j'ai pas le choix. Vas-y, viens. Ah, viens me battre. Vas-y, viens, on va se la donner. Tu l'as trouvé où, du coup, sur YouTube? Le code Mika. Viens! Oh là 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 là. Ils ont essayé de faire un mélange, peut-être, avec... Vous savez, les ectomorphes, c'est comme ça qu'ils s'appellent dans Dead Space. Allez! Oh, ta maman... Et si la démo s'arrête après, j'envoie même pas la vidéo sur la chaîne secondaire. Je dois le mettre où? Voilà. Je fais les bruitages. Voilà, que la lumière soit. Il faut que je me dépêche. Il faut que je me dépêche. Si ça s'arrête, je pète un câble. Si ça s'arrête, je pète un câble. Parce que... On dirait mon réfrigérateur. T'arrêtes pas la démo. Elle s'arrête pas. Mais... Juste un problème, c'est que j'ai plus aucune munition. Ok. Bon bah, je sais pas où je vais. C'est ça pour vous un jeu d'horreur, les mecs? Pas savoir où je dois aller, je vois rien. Ok. Non, 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 c'était pas par là. Oh!
Après, ça doit pas être un jeu fait par une équipe colossale, on va dire, qui a peut-être pas le plus grand des budgets, et c'est fini. Bon, bah, chaîne secondaire, j'espère que ça vous aura plu. C'était Pine Harbor. Harbor, la démo. Merci, et à bientôt, chaîne secondaire. Ciao.